Nous sommes à Ottawa dans le département des affaires étrangères, le ministère qui s'occupe particulièrement de l'Afrique. Le mouvement Le Carton Rouge et ses associés sont venus directement ici pour parler des affaires qui se passent au Congo Brazzaville. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons les voir tout à l'heure et ils vont nous dire ce qu'il en est ressorti de cette réunion. Nous avons donc M. Sosten Samba qui a donc participé donc avec le mouvement Carton Rouge et partenaires. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Qu'est-ce qui a été dit? Est-ce que cela s'est bien passé selon vous, M. Samba? Mais comme vous l'avez su le dire, nous avions été reçus au ministère des Affaires étrangères pour parler des questions congolaises. Donc nous avons été reçus, l'interview s'est bien passée, la rencontre a été très productive pour nous parce que nous avons exposé le problème du Congo. Nous avons demandé que le Canada prenne le leadership au niveau des Nations Unies afin de sanctionner le gouvernement de M. Sassou Nguesso. C'était une rencontre très constructive. Voilà en gros. Et nous pensons et nous adressons ce message à tout le monde, que n'ayez plus peur, sachez que le Canada est avec nous. Est-ce que vous êtes en train de dire que ce qui a été dit, c'est que le Canada s'est engagé pour vous aider? Madame, il y a des choses qui ont été dites parce qu'il pleut que je ne peux pas évoquer ici. Mais sachez que le peuple congolais, dorénavant, n'est plus seul. Parce qu'il pleut, je ne peux pas tout dire. D'accord. Là, je vois que vous êtes avec dans deux parties, comme M. Mbani, président Kur, on a M. Jean-Paul, donc vous venez de Brazzaville. Est-ce que vous pouvez dire que maintenant, le Congo, au niveau de l'opposition, il commence à avoir une unité? Il y a l'unité. Comme vous l'avez su le mentionner, le président du parti Kur, M. Ludovic Mbani, M. Jean-Paul Ounavagidi, un des grands conseillers acteurs politiques au Congo Brazzaville, lui-même ici, il y a l'unité. Et au Canada, nous avons pensé qu'il fallait aussi qu'il y ait l'unité de tous les partis, de tous les groupements politiques, afin de donner une réponse commune à la politique de notre pays, le Congo. D'accord. Ben, la question s'adresse à vous. Est-ce que vous allez continuer cette unité qui se prend avec M. Samba et M. Samba? Merci pour ce temps de parole. Vous devriez d'abord savoir que nous sommes sur les traces du blocade que nous supportons, que nous soutenons avec énergie. Ce que le FROCAD a réussi à réaliser au Congo, non pas à Sébiti, mais à Brazzaville, c'est quelque chose de fondamental. Le gouvernement, notant que lui a interdit les symboles de l'État. Mais c'est qui l'État au Congo? Je me pose des questions. Est-ce que le FROCAD ne fait pas partie de cet État? Ou est-ce l'État, c'est seulement le président de la République? Alors, il convient de noter que, encore une fois, j'insiste, je ne sais pas, je ne parlerai pas pour les autres, mais nous ne sommes pas des opposants, mais nous sommes des opposés. Nous nous opposons au système qui gangrène le pouvoir politique au Congo-Brazzaville. Nous nous opposons à ce que ce soit le président de la République ou toute organisation quelconque, de changer la constitution de la République. Nous venons d'interpeller l'opinion internationale à travers le ministère des Affaires étrangères du Canada, où nous avons rencontré les représentants qui traitent les affaires liées à l'Afrique centrale, notamment du Congo Brazzaville. Les conclusions de ces assises en ce moment sont en pleine étude. Certainement que nous ne les rendrons pas publiques, mais nous serons informés en temps et lieu de la décision du Canada qui n'a pas été sourd à nos appels. J'aimerais informer à l'opposition congolaise, se trouvant actuellement au Congo, qu'elle ne devait pas avoir peur. À tous les leaders de l'opposition au Congo, à toute la jeunesse congolaise, dans quelle région que ce soit, qui ne doit pas avoir peur, parce que là nous avions un très grand soutien. Le problème du Congo a été exposé au niveau du ministère des Affaires étrangères canadiennes et nous avions donné nos propositions. Donc il y aura des sanctions qui vont être données à tous les dignitaires du pouvoir et c'est très sérieux. Donc nous pensons que l'opposition congolaise aujourd'hui doit comprendre qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour donner la force qu'elle veut. Nous pensons que si M. Sassou Nguesso avait cette sagesse, il est temps pour lui de pouvoir
pensait qu'il pouvait chercher une retraite paisible que de pouvoir rentrer dans des complications de vie, et qui d'ailleurs qui vont se suivre, si jamais il voulait aller en force. Moi, je me réjouis parce que d'abord, je remercie aux frères qui sont levés aujourd'hui pour barrer la route à Tsukuyoso, qui veut changer la constitution pour Brazzaville. Bon, je me réjouis parce que nous avons été bien reçus ici. Nous sommes venus dire aux Canadiens qu'il y a un pays qui existe dans le Congo-Brazzaville et que donc il y a urgence. Et ce qui ressort ici, justement, comme on a dit le faire, on ne peut pas le dire parce que c'est tellement important que je demande maintenant aux opposants au Congo-Brazzaville de rester soudés parce que le Canada est derrière vous maintenant. Vous avez la preuve que nous sommes là. On a été reçus, très bien reçus d'ailleurs. Donc, et puis, pour terminer, je vais dire une chose. Comment le président Sassou Nguesso peut opposer son peuple? Je sais qu'il a un clan avec lui, mais sachez que l'opinion publique a toujours raison. Donc je pense que tôt ou tard, donc la raison va triompher. Donc je pense qu'il est au moment, il est temps pour lui d'arrêter de faire ce qu'il fait et de pouvoir prendre la retraite comme a dit le frère. Exactement, c'est à l'unanimité. Et donc nous voulons aussi lancer un appel à ces opposants-là qui sont à Brazzaville, en France, que le 5 septembre, nous allons vous attendre au congrès de Montréal, 12-12 rue Panay. C'est là-bas que nous allons sceller le sort. Donc, et peut-être que nous allons dévoiler à ceux-là qui vont venir tout ce qui a été dit au ministère des Affaires étrangères ici. À l'opposition, comme l'a su souligner le président Ludovic Manu-Dukur, M. Jean-Paul Wanabagidi, n'ayez plus peur, n'ayez plus peur, parce que nous savons que M. Denis Sassou Nguesso va lancer un référendum. Et ça va être la ligne rouge à ne pas affronter. Il ne doit pas affranchir cette ligne rouge-là. Il y aura un soulèvement populaire, nous le savons. Et déjà là, nous demandons à l'opposition d'organiser déjà ce soulèvement populaire-là. Restez groupés, juste 24 heures, le pouvoir de Sassou Nguesso va tomber. Alors, voilà, qu'ils doivent être, vous devez être soudés, soyez soudés les gars, organisez cette désobéissance civile, que les gens sortent en masse parce que ça sera le point déclencheur de la chute de Sassou Nguesso et son régime. Et M. Justice a quelque chose à dire? En fait, moi mon message est très simple, c'est à tous ces jeunes Congolais qui se trouvent à Congo-Brazzaville, il faudrait savoir que à nous qui sommes à l'étranger, qui œuvrons ou bien qui nous opposons sur Facebook, sur YouTube, nous ne sommes pas juste une opposition virtuelle. Ok, donc c'est juste pour vous le dire. C'est pas parce que nous sommes à l'extérieur du Congo que nous ne portons pas le Congo à cœur. Ce que nous venons de faire, nous avons fait des sacrifices. Personne d'entre nous est de Montréal, d'Ottawa. Donc nous avons voyagé des kilomètres pour pouvoir faire quelque chose. Donc nous vous soutenons. Vous avez des moyens de pression que vous faites au Congo. Nous aussi, avec les moyens que nous avons, nous les utilisons pour pouvoir faire, en fait, mettre la main dans la pâte. C'est-à-dire que nous avons le même combat. Donc, ceux qui vont nous voir sur YouTube ou bien sur Facebook, avant de nous critiquer, avant de dire que vous êtes loin du Congo, à quoi vous servez? Nous servons, en fait, à quelque chose. Nous avons le même combat. Un jour, nous allons nous tenir tous ensemble et nous allons tous crier victoire et nous allons tous crier en fait paix, liberté, fraternité. En fait, nous allons crier un ouf de soulagement quand le régime de Brazzaville va s'en aller. Quand en fait, une fois de plus, le Congo savourera. Peut-être pour ceux qui sont plus jeunes, qui sont nés après 97, n'ont pas connu cette période de 92 à 97, ce que la vraie démocratie, ce que la liberté d'expression a comme fruit. Donc pour nous qui avons vécu cela, on va revivre cela. Et pour vous, enfin, nos plus jeunes frères qui vous battez pour cette excellence-là, vous allez vivre cela. On va vivre le tout ensemble. Donc, s'il vous plaît, respectons-nous, soutenons-nous, nous avons tous le même combat. Ça, c'était mon message, en fait, pour vous qui nous suivez en ce moment. Oui, en effet, comme a dit M. Justice, nous avons souvent été critiqués négativement, que nous ne faisons rien. Aujourd'hui, moi, personnellement,
Mon nom est Ludovic Mbani, je suis le président de CUR. Dans mes sombres rêves, je ne m'attendais pas un jour à me retrouver aux côtés de M. Jean-Paul Nabakidi, M. Sosten Samba, M. Bongui et M. Zaya, et vous-même les caméramans, Mme Gomez, ici, au siège au ministère des Affaires étrangères pour discuter des affaires du Congo. Nous ne sommes pas nécessairement des amis, mais nous sommes des frères. Nous sommes liés pour un seul combat. Et ce combat, c'est celui non pas de déstabiliser un pouvoir ou un quelconque président de la République, non, mais pour enlever, retirer le mauvais système qui s'est ancré dans notre nation, qui pourrit la vie des Congolais. Alors, comme a dit mon frère ici, on n'a rien à voir avec le pouvoir tel qu'il est là en ce moment. Tout ce que nous voulons, c'est le changement afin que le droit de succession soit obligatoire. Parce que c'est une obligation, c'est la succession. Nous sommes tous des Congolais. Nous voulons donner une vie heureuse, une fin de vie heureuse à notre président de la République. Nous lui donnons encore la chance de se ressaisir et d'aller de l'avant. Nous ne l'accusons de rien pour l'instant parce qu'il n'a pas encore prononcé le mot référendum. Car si jamais il le fait, eh ben, j'aime beaucoup sa phrase quand il dit « Celui ou quiconque qui osera braver la loi rencontrera l'autorité, comment dit cette phrase ? Indéfectible de l'État, c'est ça, hein ? Indéfectible de l'État. » Il dit même que non, mais il faut que les démocrates, il faut que ça arrive, il faut que les démocrates se lèvent. Et nous sommes en témoin à la communauté internationale. En effet. Alors donc c'est cela. Alors je vais laisser l'initiateur de ce projet terminer. Merci beaucoup. En conclusion, nous allons dire à tous les opposants, au peuple congolais, de ne pas avoir peur. Le Canada est avec vous. Levez-vous. Le 5 septembre, nous vous attendons ici au Canada, à Montréal, 12-12 rue Panay, pour sceller le sort de la République du Congo. Tenez ferme, juste 24 heures debout, le pouvoir va tomber. Merci. Merci Densité Génération Afrique en association avec Congo Mikili et Elia Gomez-Niali. Merci, au revoir.